No, y lo ocupé. Ah bah oui, je t'avais dit qu'il y avait des chiens. Mais non. Mais c'est méchant, le monsieur. Alors mon chien, il a sauté. Si c'est moins un accident, il va pouvoir intervenir. Il va protéger son père. Calme, voilà, réaction du chien, toujours protéger son maître. Voilà, on peut les applaudir. Vous allez doucement avec votre main gauche ouvrir la porte par l'extérieur. Ouvrez la porte. Sortez doucement du véhicule. Vous allez faire face aux policiers. Une fois la menace écartée, le collègue va pouvoir traiter de manière classique pour pouvoir le ramener à l'unité. Et toujours sous la protection du chien, qui à tout moment, comme vous avez pu le voir sur l'exercice précédent, peut protéger son maître et le collègue. Ce chien, ça ne peut pas dire. Ça lui a lu un petit garçon, donc on fera pas attention à tes pieds. Et voilà le binôme chien qui travaille. Oh la jambe, oh le bras, vous avez vu le target, il ne s'est absolument plus bougé. Et le chien tient bien, c'est vrai qu'il a fait beaucoup de grabuge, donc il a ce qu'il mérite. Ah,
Voilà, ça c'est aussi l'attaque courage. Sous ordre, le chien ne va pas aller au mordant et il revient. Lui, on va tuer. Donc ici, attaque de courage dans le véhicule. Le chien va pénétrer dans le véhicule comme il pourra. Attention au target. Le chien, il va te manger. Le chien va te manger. Le chien va te manger. Oui. Allez, le chien mange. Il est comme ça, ce chien. Il a rêvé. Ambulance. Et voilà, je pense qu'il a été laissé une fois que le chien.